tristesse parce que je pense à tous les toutes les personnes du club qui ont travaillé d'arrache-pied tout au long de ces années. C'est triste pour toutes ces personnes, c'est triste pour le club. Après le club, je pense, j'espère et je pense vraiment qu'on va réagir et qu'on va pouvoir avancer encore, que le club va pouvoir avancer. C'est simple, si on va raccourcir, on va dire qu'on n'a pas marqué assez de buts quand on est la pire attaque du championnat. C'est compliqué de gagner des matchs ailleurs, mais je ne sais pas. On va faire le raccourci aussi, on va dire ces attaquants, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a des situations, on l'a vu ce soir, on a beaucoup de situations et on n'arrive pas à aller au bout. Alors est-ce qu'il y a un problème de confiance cette année, je ne sais pas. Malheureusement, c'est comme ça. Ce que je veux retenir quand même, c'est que le club, ces 3 ans, on a fait grandement évoluer. On a quand même placé le Clermont Foot sur la carte du football français. On a fait évoluer les infrastructures, on a créé des souvenirs, des soirées mémorables ici. La Ligue 1, c'est incroyable. Franchement, je souhaite à tous ceux qui ne l'ont pas vécu de le vivre et à tous ceux qui y sont, de tout faire pour y rester. Malheureusement, nous, on descend ce soir.